Alright, guys, ce n'est que le Master Troll pour l'instant. Donc, figurez-vous donc que euh, les Francs hein, ce peuple euh, héritier des Carolingiens, des mérovingiens, du baptême de Clovis, ces euh, peuples francs qui euh, existent en Europe depuis euh, l'an 600 ou 700, n'avancent l'heure que demain. Donc, alors que j'ai dit à, euh, au sieur Isara que, dans le fond, il y aurait un show euh, à midi pour moi au Canada et à 18h pour lui en France, j'imaginais qu'il y avait une forme de synchronisation dans l'avancement de l'heure dans le monde. Eh bien, c'est faux. Il est euh, 17h en France pour l'instant. J'ai googlé et c'est vrai. Donc, euh, Isara nous dit qu'il était sorti d'or en plus. Il n'est revenu que par pur hasard. Euh il dit qu'il n'a rien préparé encore pour la technique. Il veut que je lui dise ce qui lui est préférable. Commencer à l'heure au Canada ou à l'heure en France. Donc là, je vais devoir lui écrire que c'est déjà commencé. En cap lock, s'il vous plaît, c'est déjà commencé. Et je vais dire, ça, ça joue sur votre YouTube aussi. Voilà. Donc en attendant que euh, ce cher euh, Isara, oh, il est arrivé. Là. Je suis là. Alors, ah, il y a, oui, bon, ça, c'est indépendant, indépendant de notre volonté. Hein. Euh, euh, la nouvelle heure en France, elle commence demain, cette nuit. Incroyable. Donc, là, et, je ne savais pas ça. Donc, il y a, il y a quand même un, quoi, un deux, trois semaines de, de différence entre l'avancement de l'heure en France et au Canada. Parce que nous, ça fait, ça fait au moins deux, trois semaines que c'est déjà fait. Ah, déjà. Hein. ah, je croyais que c'était cette nuit. Ça fait trois semaines que. Ah, bah non, bah, nous... ah, bah, je ne savais pas du tout. Je croyais que vous m'aviez dit que c'était aujourd'hui chez vous. Ah bah ben alors non, nous, ça fait... Euh, ça fait de... Bon ben voilà, on s'est trompé sur, sur ça en fait. Ouais. Ah, j'aurais jamais pu savoir. J'imagine que c'est une question de de, de, de... de Comment dire, au niveau... Euh, pas, pas climatique, là, mais... Euh... Non, en tout cas, coup. bref, il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison pourquoi, genre, en France, vous avancez juste l'heure à ce moment-ci de l'année. Nous, c'est fait depuis euh, il y a trois semaines à peu près. D'accord. Euh, alors, sur YouTube, alors, euh, du coup, moi, je n'ai pas pu euh, faire la technique. Alors, est-ce que... Oui, voilà, c'est bon, il y a un direct. Oui. Non, tout est supposé fonctionner automatiquement. Hein. D'accord, mon. Oui, mais moi, pas... je n'ai pas pu. Bon bah. Tant pis, hein, moi j'étais dehors. <laughs> Vous m'avez dit ça que c'était déjà commencé. Euh... Oui, voilà. ben c'est ça. Euh... Désolé, le moi aussi, je pensais que genre, on était synchrone au niveau de l'heure, mais bon, ce n'était pas le cas, ce n'est pas grave. Donc, je reçois aujourd'hui euh, sur la toile académie euh, Raphaël Zachary de Isara. Donc, euh, c'est être au nom tellement poétique. D'ailleurs, je voulais lui demander, d'entrée de jeu, est-ce qu'il a des orgasmes orthophoniques lorsqu'il prononce son propre nom Totalement. C'est même… Euh, ah, ça, ça va au-delà de, de, de ma renommée euh, locale. C'est-à-dire que toutes les femmes sont attirées par ce personnage romanesque que j'incarne. Et beaucoup croient que c'est un, un nom inventé, mais pas du tout. C'est vraiment mon nom de naissance. Je suis né avec la particule, j'allais dire, euh, dans les tréfonds de mon être, hein, pour être décent. Voilà, je suis un réel particulier, c'est mon vrai nom. Ça fait rêver les femmes. Alors, ouais. apparemment, je, je ne maîtrise pas ça. Hein. Ben, écoute, ah, je, je crois qu'on a, a encore la famille britannique, la famille royale britannique, bien que là, ils sont tous en train de décéder les uns après les autres du cancer, euh, ah, comme, oui. euh, évidemment, l'ancêtre, an, le père d'Élisabeth, qui s'appelait Georges V. Ça, Georges V euh, Oui, je crois, oui. Ça... Il a son hôtel à Paris, oui. Ouais, en tout cas, il est mort, mort d'un cancer des poumons. Donc, le cancer circule dans leur génétique appauvrie, évidemment, euh, suite au, au siècle d'endogamie et de cousinage qu'ils ont, euh, qu ont mis euh, en pratique. Donc, euh, excellent. Et aujourd'hui, en fait, j'avais un concept particulier. On s'en était parlé en amont, bien sûr. Au début, je voulais, voulais qu'on soit bold. J'avais imaginé qu'on pourrait, ensemble, à quatre mains, écrire un texte, OK? Composer, donc, donc vous une plongée immersive dans le processus créatif. Mais là, on s'est dit que, bon, écrire un texte, évidemment, ça demande de la concentration, ça demande du silence, ça demande d'avoir la possibilité d'aller de, de, au fond de son intériorité et compagnie, et qu'en direct, ça ne se prêtait peut-être pas à ça. C'était une idée ambitieuse, mais qui ne porterait pas ses fruits. Euh, et comme dit le Christ, évidemment, le Christ dont c'est le grand retour ce week-end, euh, il faut euh, arracher les mauvaises herbes. Bon, je paraphrase un peu euh, la parole d'Évangile. Et donc, aujourd'hui, en fait, on va plutôt parler. De façon intellectuelle, de façon, mais pas juste intellectuelle, également de façon euh, personnelle. On va parler du processus créatif. Et j'ai repris l'expression latine, camera obscura, qui est en fait l'espèce de boîte noire dans laquelle les anciens photographes se plongeaient avec le, le, le petit euh, voile qu'ils rabattaient sur leur tête, justement, pour créer un écran. Donc, euh, c'est ça, la, 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 la caméra obscure. En réalité, c'est notre, notre intériorité. C'est à l'intérieur de notre caboche. Qu'est-ce qui se passe lorsque la magie opère? Lorsque nous créons du beau. Et donc, ma première question, ça c'est juste pour nous starter. Là, on, va y, on va aller plus dans, plus dans le détail après. Évidemment, dans les commentaires, si vous avez des questions spécifiques, si vous avez envie de demander, par exemple, comment est-ce que Raphaël Zachary de Isara a accouché de certains de ses textes, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il qu est motivé encore aujourd'hui à euh, faire des, des soliloques euh, shakespeariens devant sa caméra? Eh bien, ça lui euh, posez la question dans, dans les commentaires. Donc, ma première question, c'est comment est-ce que le beau émane? De Isara. Oh, je pense qu'il a gelé. <laughs> je pensais qu'il m'a regardé dans une espèce de pause à la Zoolander depuis tantôt, mais apparemment, il a gelé. <laughs> oh. Bon, je regarde un petit peu les commentaires. Euh, il va sûrement se reconnecter en polon. C'est une décision arbitraire d'économie d'énergie vestige de la Deuxième Guerre, d'énergie vestige. Black Ben, ça commence bien. Euh, bonne première question pour notre cher Zachary. François Aubé, Wow, combien de body count du monsieur au nom orgasmé? Eh bien, François, tu t'imagines bien que cette question, euh, cette question hyper trolatique lui fut posée lors du premier épisode, lors de sa, de sa première venue, hein, de first coming. Euh, et euh, il a répondu, en fait, il a répondu par de façon détournée et imaginative. Voilà, coupure, euh, coupure Internet, hein. C'est complètement indépendamment de ma, ma volonté. Hein. Mais inquiète-toi inqu inquiète pas, quand toi tu bugs, ça continue à rouler. Fait que, euh, dans le fond, le, le show n'est pas interrompu nulle part. Avant, ah bon, le son n'a pas été interrompu. Non, non, toi tu as été interrompu, mais moi j'ai continué le show pareil, puis ça continue juste. Donc ici, on avait encore quelqu'un qui voulait savoir euh, ton nombre de partenaires sexuels. <laughs> bon, dit... Officiellement, vous savez, je suis, euh, je ne suis pas marié, mais enfin, je, je vis en couple. Donc officiellement, euh, j'en ai qu'une. Et. C'est la meilleure, bien sûr. Alors, je parle ou, ou, de, ou de ma muse principale ou de ma femme, ça, c'est à vous de. C'est à vous de. Comment de deviner. Hein? Moi, vous savez, ma, ma, ma femme, ma, ma première femme, c'est la poésie. Oui, oui, oui. La poésie et la deuxième femme, la France euh, Alors, euh, non, non, pas du tout. Euh, du, non, je veux dire, ma, ma partenaire principale se nomme euh, Poésie. Et après, elle est peut-être incarnée euh, par celle qui partage euh, mon alcool, enfin mes nuits, enfin ma vie, quoi, en fait. Hé, hein. hey, tu m'as donné le goût de te montrer quelque chose. Parce que te parler de poésie, ça m'a rappelé euh, un passage d'un film d'Aleandro Jodorowski. Tu connais euh, Jodorowski? Non, pas du tout, non. Ben, je, vais te, je vais te montrer un passage, ça va, ça va sûrement te rappeler quelque chose. Il euh, faut juste que je retrouve. C'est pas C'est pas quelque chose que j'avais euh, prévu d'avance. Donc là, c'est pour ça qu'il faut que je cherche. Donc, je l'ai ici. OK. Je te... Écoute, c'est un extrait que j'ai écouté probablement une centaine de fois. Je trouve ça très beau. ça à propos de la poésie. Donc, euh, je vais faire, je vois ça, ça va peut-être nous mettre un petit peu dans le mood là, pour... Euh... Es como va a bueno. Yo soy el que tú serás. O tú fuiste el que yo fui. Te entregaste a la policía. Y no lo lamento. ¿Qué lograré? Aprenderás a morir con felicidad. Tengo miedo de morir. Tienes miedo de vivir. Tengo miedo de fraudar a los demás. No eres culpable de vivir como tú eres. ¿Ah? Es culpable. Si vivieras como los otros quieren que tú vivas, ¿cuál es el sentido de la vida? La vida. El cerebro hace preguntas, el corazón da las respuestas. La vida no tiene sentido. Hay que vivirla. Vive, vive, vive. ¿Estás de acuerdo con eso, tú que la vida no tiene sentido? Bah, euh, je voy a decir, ya, habría tenido que Euh, je suis en phase. Oh, je pense qu'il a gelé encore. Bon, je pense, guys, que ça va être un épisode difficile aujourd'hui. On n'avait pas eu de problème technique lors, de, euh, lors du first coming de Raphaël, mais on dirait que cette fois-ci, son Internet n'est pas euh, au niveau. Donc, je ne sais pas si euh, s'il y avait eu une heure de plus pour se préparer, il aurait pu faire un petit peu plus de fine-tuning. Mais pour l'instant, on dirait qu'on va devoir travailler avec ça. Donc là, j'imagine qu'il va, il va disparaître encore une fois et se reconnecter. Ici, on a Steve Saint-Pierre qui dit Avant le Big Bang ou la théorie que vous, que vous voulez, il avait rien, Dieu a créé rien et tous Avant le Big Bang ou la théorie que vous voulez, il n'y avait rien. Dieu a créé rien et tous. C'est très, euh, c'est vraiment drôlement formulé, mais ça te met, Steve, face au problème, euh, le problème scolastique de la régression à l'infini. Hein, la régression ad infinitum. C'est que si tu réfléchis en ces, en ces termes-là, ta logique est viciée from the beginning. Parce que d'un point de vue causal, tout effet a une cause. Donc, soit tu postules l'infini, c'est-à-dire que dans le fond, le monde est une chaîne de cause à effet sans fin, ou tu postules une cause sans cause, ce qui est une licence, hein, ce, qui est une, ce qui est une aberration, on va dire, du jugement, ce qui est une contradiction philosophique à l'intérieur même de la loi de causalité. Tu peux faire ça, tu peux postuler Dieu. Évidemment, rendu là, tu t'extrais toi-même de la philosophie et tu entres dans le, dans le domaine de la foi. Et, euh, mais ou sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux complètement transformer en profondeur ta métaphysique, mais ce sera un sujet pour une autre fois. Raphaël, Zachary, Izara, et de retour, des petits problèmes techniques, l'ami? Oui, oui, oui. Il y a des coupures internet, je ne sais pas d'où ça vient. Ok. OK, en tout cas, on va continuer, on va voir. J'espère que ça va s'arranger un peu. Euh, donc, oui, la première question, c'était comment est-ce que le beau émane de Isara? Comment est-ce que Isara produit du beau? Ah ben, bah ça, c'est une vaste question. C'est le grand mystère. Hein. Euh, ça, c'est la grande question euh, bah, qui, qui, qui me concerne. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis un débiteur de beau, je suis un pondeur de beauté, un diffuseur de beauté également. Et ben parce que tout simplement, je suis connecté à la, à la poésie avec un grand P, hein, directement connecté au ciel avec la poésie. Et c'est un canal direct. Je déverse à, à grand flot euh, de manière gratuite et euh, non-stop, hein, ininterrompu, des, des flots de poésie, de beauté, de rêve et de vérité. Et dans quel, dans quel contexte, dans quel environnement, dans quelle structure, dans quelle ambiance est-ce que, dans le fond, la création littéraire se euh, opère. Est-ce que ça peut être dans n'importe quel contexte ou il y a des contextes privilégiés Alors, oui, Alors euh, on peut me, me commander en appuyant sur un bouton, on, on peut me commander de la poésie, de la, de la beauté, mais également, ça, ce sont les, les moments les plus privilégiés. quoi. Et c'est lorsque je suis en effet dans un contexte intérieur, lorsque je suis euh, réceptif à la beauté. Alors, en général, ben, c'est conditionné par euh, euh, l'extérieur, hein, les l'environnement extérieur. Hein, C'est-à-dire que si je suis dans un, un beau paysage, un beau ciel bleu, et, et qu'en même temps, ma conscience est, est en plein éveil, alors là, je, ça y va, là, le, les vannes sont grandes, grandes ouvertes. Mm. Et puis là, je déverse de, de la poésie isarienne euh, par, par tous les trous, par tous les, par tous les ports. Hein. Et donc on pourrait parler, de, en anglais, ils disent un stream of consciousness. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, chez moi, c'est un torrent ininterrompu. Ouais. Je ne connais quasiment pas, on va dire, la page blanche, sauf quand je dors. Et encore, quand je rêve, même là, j'aimais de la beauté. Alors, vous voyez, involontairement. <laughs> Et là, il y a plusieurs, Alors, auteurs, euh... y a plusieurs auteurs qui, qui vous envieraient d'entendre ça. Oui, oui, euh, oui, oui c'est vrai. Je... Alors, je, euh, lorsque je ne suis euh, pas en contact direct avec le ciel, eh ben, c'est la technique qui prend le dessus. Et sur le plan strictement technique, j'arrive à pondre mes, mes cocos littéraires, mes œufs littéraires, et ça fonctionne. Mais quand même, euh, le, quand même euh, là où c'est l'idéal, c'est quand je suis vraiment inspiré, euh, je suis euh, habité par mes muses, et alors là, ça va tout seul. Et on, a, on a un auteur, nous, au Québec, un philosophe éroticien. Hein, éroticien de érotisme André Moreau, peut-être que vous avez déjà entendu son nom, c'est un gars qui a fait un doctorat en philosophie à la Sorbonne euh, il y a très longtemps, dans les années 60-70 euh, et lui en fait il dit que l'érotisme est une énergie d'abondance qui lui permet justement de jacter euh, c est, c est, ou plutôt de ben, oui, oui de jacter ses aphorismes, de jacter sa pensée mais c'est ce qui nourrit sa pensée donc est-ce que chez Isara il y a une connexion entre l'acte créateur et l'érotisme Oh, moi, la connexion, elle est universelle. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'anti-érotisme. Ça peut être de la boue du ciel, euh, de la joie, euh, de la tristesse. Tout m'inspire. Même l'excrément. J'ai même écrit des textes sur l'excrément. Euh, non, non. Tout... Je n'ai pas vraiment de, de choses. Parce que pour moi, la poésie, c'est une... un principe d'essence euh, divine. Et la poésie est partout, puisque la création est des... Et par nature divine. Donc, tout est poésie. Hein. Euh, ben ça, c'était intéressant. Il y a un, dans les Illuminations d'Arthur Rimbaud, que, dont vous n'êtes pas un fan, on en a déjà parlé. Euh, Arthur Rimbaud dit Tous les phénomènes l'influençaient ou il fut influencé par tous les phénomènes. C'est une, une phrase poétique euh, des illuminations que j'ai toujours beaucoup aimé. Donc, vous, en fait, on pourrait dire à quelque part que tous les, tous les phénomènes vous influencent, et on pourrait également ajouter à cela, comme chez Nietzsche, qu'il faut savoir s'énivrer avec n'importe quoi, donc pas seulement les stupéfiants. Pas seulement l'alcool, c'est du printemps, c'est livré d'une fine bruine, c'est euh, des enfants qui jouent euh, à la marelle dans la cour de récréation. Il y a un passage, c'est un très beau passage chez Nietzsche également. Donc, la capacité à se laisser, euh, comment dire, euh, influencer créativement par tout ce qui vous entoure. Oui, alors c'est ça, c'est exactement ça en fait, hein, puisque euh, la création est, est, est miraculeuse, hein, tout est miraculeux. Même ce qui est lait euh, le beau, euh, là, ce qui nous paraît euh, lait euh, euh, en fait, euh, c'est d'essence divine, donc c'est une merveille, hein, tout est merveille. Hein. Mais ce que nous et dit l'époque aujourd'hui, oui. ce que nous dit l'époque aujourd'hui, c'est que la laideur est une forme de beauté. La laideur est une forme d'apparence On sait que gros c'est beau. Ça, c'est c'est le slogan du 21e siècle, gros c'est beau. Donc aujourd'hui, on, on est même en train de tenter de générer du beau à partir du lait Et ça, qu'est-ce qu que ça démontre? Ça démontre la suprématie. Comme Jason Bourne, la suprématie du beau sur tout le reste. C'est vrai. Euh, encore que la laideur, bon, c'est quoi C'est un, un filtre psychologique. Hein? Il, vous savez, il n'y a que les humains qui perçoivent la laideur, comme la beauté d'ailleurs. Un chat, un chien ne perçoivent ni la beauté ni la laideur. Et ça, c'est notre psychologie qui fait que nous estimons beau ou moins beau telle ou telle chose. Mais dans l'absolu, tout est beau. Moi qui ai peur des araignées, par exemple, je, je oui. trouve ça horrible, une araignée. Mais pourtant, c'est magnifique oui, lorsque oui, oui. j'arrive à, à faire abstraction ben, de la partie psychologique, hein, euh, mon, le, les pattes noires, velues, etc. Mais lorsqu'on regarde une araignée dans l'absolu, eh ben, c'est une création divine. Oh, oui. C'est merveilleux. Oui, D'ailleurs, l'araignée a été représentée de façon poétique dans de nombreux textes. On sait que dans le Seigneur des Anneaux de Tolkien, ou plutôt dans le, dans le Silmarion, là, dans le Premier Âge, on a Morgoth qui, pour se venger... De ses, de ses frères, là, les, les, les créateurs du monde, euh, va détruire l'arbre de vie avec une gigantesque araignée euh, dont j'oublie malheureusement euh, le nom, c'est euh, euh, Umb ou quelque chose comme ça, en tout cas peu importe. Et il euh, y, y a dans, dans différents textes, si jamais on a la présence, euh, présence d'araignée, euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? On va regarder quelques questions. Ici, il y a Amon qui demande Est-ce que vous êtes fort au jeu du champ lexical? Si, par exemple, je vous dis « fleur », vous sortez combien de mots du même thème? Je ne connais pas du tout ce jeu, alors pourquoi je, je suis censé répondre… Euh... Ben, grosso modo, euh... en fait, sa question, c'est, si, mettons, il vous donne un mot, par exemple, le mot « fleur oui. », êtes-vous capable d'enchaîner « orchidée »,« jacinthe »,« pelouse » Ah oui, euh... oui d'accord, des... ah oui, ce sont des synonymes, en fait. Ou ouais, ouais. des allusions, je ne sais pas, ça dépend si c'est par allusion par synonyme, par association d'idées ou, ou juste par synonyme. Euh, ben, je pense qu'il parle de champ lexical. Donc, synonyme et champ lexical, ce n'est pas la même chose. Donc, moi je, moi, je pense que champ lexical, c'est plus vaste que synonyme. Donc, ça inclut, oui. ça pourrait inclure les synonymes. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne, je crois, dans mon cerveau euh, pour la partie technique. Euh, le, comment le, bah, la construction d'un texte, hein, ça part d'un lorsque je veux faire des allitérations d'une certaine musicalité ou des associations d'idées. De, plus ou moins euh, pittoresque, loufoque, et puis voilà, que ça soit bien fleuri, bien ou alors euh, noir, hein, peu importe. Oui, oui, c'est que ça fonctionne aussi comme ça, oui. Encore en référence à cette question-là, j'aimerais vous demander, euh, on sait par exemple qu'il y a plus de mots dans la langue française que dans la langue anglaise. Et il y a, il y a, il y a certains auteurs, je crois que Michel Onfray s'était déjà vanté de ça, mais d'autres également, je pense André Moreau aussi, que j'ai évoqué tantôt le fait. Euh, Êtes-vous du genre à faire un effort particulier pour renouveler votre vocabulaire? Est-ce que Raphaël Zachary de Zara est le possesseur d'un très vaste vocabulaire ou, comme d'autres auteurs, vous, préfériez, vous préférez travailler avec les mêmes mots, avec le même thème, donc plutôt la consistance que le maximalisme? Voilà, bon, d'abord, je cherche la, la qualité textuelle, je cherche à, à provoquer une émotion chez le lecteur, mais j'ai quand même aussi des, des grands principes c'est que je ne fais pas de répétition, du moins à partir de mon millième texte environ. Mes textes sont numérotés de 1 à 2 200 environ. Ah. Et puis, euh, pour moi, le. Hop oh, là, on est encore en train de le perdre. Je ne sais pas s'il m'entend quand je dis ça. Donc, ça le gelé encore une fois. Bon, on va attendre qu'il euh, revienne. Euh, donc ici, Ayrez qui disait, je vous conseille d'écouter ces textes sur clinchamp Ce sont des perles et ce village existe réellement. Je ne sais pas, Ayrez, euh, si tu peux euh, m'envoyer des textes de Clinchamp. Je vais marquer euh, Isara Clinchamp. Peut-être que je vais être chanceux. Ah, oh, j'en ai un. Je suis tombé sur un texte. Excellent. Donc ici, attente à Clinchamp. Je suis sur le sol de la réalité et sous le ciel de mes rêves, à Clinchamp précisément. C'est aussi la terre des sédentaires et l'azur des voyageurs, euh, les paysages des mortels et l'infini des oiseaux, la vérité des hommes et l'horizon des vaches. Là, je me trouve face à rien et attends que tout se passe, sachant que même le néant en ce lieu reste encore un événement notable. Je ne doute pas que tout espoir assez sûr sera comblé soit de flammes pures, soit de poires bien mûres, tant ce microcosme champêtre est chargé de petits riens fracassants, d'ombres fulgurantes et de vides récédents des tempêtes. Jamais je ne serai déçu à demeurer là, les pieds dans le présent, la tête ailleurs. Bon, j'étais en train de lire un de vos textes qui était recommandé ici par euh, 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 un auditeur dans le chat, donc les textes sur Clinchamp. Euh, Dit-il, ah oui. euh, ils font des perles. Donc, j'étais en train de lire un passage de ça. Euh, ici, on a Mariam qui dit Salut, Mathieu a écouté nos conseils de la dernière fois et s'intéresse cette fois-ci davantage à Isara qu'à lui-même. Mais là, ce qui est intéressant, on sait que Stendhal a écrit un, un recueil autobiographique qui s'appelle Les souvenirs d'égotisme. Et la première fois que j'ai interagi, que j'ai communiqué avec le sieur Isara, comment a-t-il dit Il m'a dit Je suis auto-centré. Je suis un égocentrique assumé. Et il est aujourd'hui face au Master Troll, le bien-aimé Master Troll, un être fanfaron qui parle de lui à la troisième personne. Donc, comment se sent Isara, le poète, d'être face à un autre égotiste? Ah ben, moi, je, euh, c, c, ça me convient parce que je, je comprends ce que vous ressentez, ce que vous attendez. Donc, euh, deux égocentriques ensemble, pour moi, ça ne peut être que harmonieux. Hein? On est fait pour s'entendre, pour se comprendre. Mais je pense qu'on est des bons. On est des bons égocentrés. On est des, euh, on est des, on est des égoïstes illuminés. Moi, c'est euh, mon expression favorite. J'ai fait tout un podcast par rapport à cette notion-là d'égoïsme illuminé. Je, je ne ressens aucune énergie. Non, je, euh, comment dire, à, à votre contact, je ne, me sens, je ne me sens pas en relation avec un voleur d'énergie. L'égoïste problématique, c'est celui qui ramène toujours tout à lui et qui ne donne jamais. Alors que nous, on donne, on fait un podcast présentement, on, on, on vous donne quelque chose, on est généreux de nous-mêmes et évidemment Isara qui, qui à peu près tous les jours vous sort un nouveau texte euh, est très généreux euh, de sa personne. Donc je continue euh, dans les commentaires. Alors j'ai même eu dur, je, je n'ai pas pu terminer, je ne sais pas lorsque ça s'est coupé. Hein. J'étais en oh, train. Mais ben, euh, ben si, si si si, as, si t as, t as, t as, t as encore le fil, ton fil d'idée tu peux continuer. Ah ben si non, non j'ai perdu le fil. Dans les ok ok. Aussi. Ah oui, j'étais dans les répétitions, c'est ça, il me dit Isabelle. Je parlais des répétitions, c'est ça, non? Euh, oui, c'est vrai, on parlait en fait de, de la composition des textes, euh, l'étendue du vocabulaire, etc. Oui, voilà. Euh, oui, alors je disais, bon, ce euh, qui, qui est ma marque de fabrique, enfin, je ne sais pas si d'autres le font, mais c'est que mes textes ne comportent strictement aucune répétition, théoriquement. Et vrai, bien, Moi aussi, personnellement, en tant qu'écrivain, j'ai une attention particulière pour la répétition. Il faut, faut bien comprendre qu'il y, y a la répétition vulgaire, qui est le fait d'avoir un vocabulaire pauvre ou de ne pas faire attention, faute d'attention. Il y a également la répétition comme propre, donc comme figure de style. Parfois. Oui, c'est oui, différent là. C'est différent. Oh, oui, c'est différent. Mais il ne faut pas en abuser parce que malheureusement, c'est que la répétition se retrouve tellement partout aujourd'hui qu'en termes en oui. termes d'effet, en termes terme de. De, de caractère spectaculaire et l'Ampère, puisque tous les gens font des répétitions sans avoir à se forcer. Et alors, j'ajoute quand même, donc, absence de répétition, et puis aussi, oui, renouvellement, alors j'essaie toujours de trouver des nouvelles formules, hein, des formules, alors j'évite, oui, également, dans la mesure du possible, j'évite euh, les clichés, hein, les, oui. que ce soit des gros clichés ou moins gros, mais j'évite et j'essaie de renouveler à chaque fois, d'inventer des nouvelles formules hein, qui, qui sortent ah, oui. de... De ma plume. Alors, je vérifie si la formule n'est pas déjà euh, écrite sur Internet. Ça m'arrive souvent pour voir ouais. si quelqu'un ne l'a pas dit avant moi. Et voilà, j'essaie d'être le plus possible unique. Hein? Et nos, nos, nos deux précurseurs, Gustave Flaubert et Léon Blois, ont tous les deux écrit des textes euh, pamphlétaires, des diatribes, on va dire, euh, virulentes contre ce que euh, Flaubert appelait les idées reçues, le dictionnaire des idées reçues. Et je ne me souviens plus du titre du livre de Léon Blab à propos des lieux communs. Je crois que c'est euh, Dictionnaire des lieux communs ou un truc comme ça. Et les deux, en réalité, se moquent de ces formules-là compassées qui sont insupportables. Et effectivement, pour moi, c'est une. je vais le dire de façon très aristocratique c'est une faute de goût. Oui, c'est vrai. Utiliser ouais. un lieu commun dans un texte original, dans un texte d'auteur, c'est vraiment une mmh. faute de goût. Voilà. Ici, on a mon cher I.I.Q.S.R. Black Ben Carson qui demande Isara a-t-il des limites éthiques ou morales Vous voulez lire dans l'écriture ben, J'imagine que c'est au niveau de la création littéraire ouais. ici, mais bon, aussi en général. Comme tout être éveillé, eh bien, bien évidemment, j'ai des limites, bien sûr. Hein. Il y a, donc, il y, a, il y a des sujets, des thématiques sur lesquelles vous ne vous permettriez pas d'écrire, vous qui avez composé un ode à l'excrément. Bon, alors, déjà, je, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'écris en finalité pour produire du beau. Voilà. Après, je peux parler de la mer parce que la mer, y a rien de, la mer, c'est naturel. Hein. Si je produis du beau à partir de d'histoires malheureuses, à partir de, de, de destins que j'invente, de destins euh, funestes, etc. Si je peux y mouvoir et puis euh, rendre sensible l'humanité, pour moi, ce n'est pas un mal. Voilà. Ce que ce, ce que je me refuse à faire, ce sont des des conclusions. Alors, alors, ça m'arrive d'en faire des conclusions euh, funestes. Et c'est soit pour éduquer ou pour faire rire, pour, ou les, les deux en même temps, pour mmh. faire réfléchir, mais ça n'est jamais gratuit. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas, dans le, par exemple, le, le, conte, le conte cruel gratuit. Quoi. Hein il faut qu'il y ait euh, un espoir à la fin. Alors, bon, je, je vais être honnête, ça m'est arrivé. Parce que lorsque, par exemple, je veux faire dans la littérature pure, oui, j'aime faire... Euh, par, parfois, il n'y a pas d'espoir, c'est un trou noir, bon, ça se termine comme ça, c'est pour faire un effet. Mais dans la... Dans la plupart des cas, je veux quand même qu'il y ait une lumière, un espoir. Et si vous étudiez bien mes textes, vous remarquerez que dans à peu près tous les textes, il y a une, comment, une forme ascendante. Voilà. Je pars de, du bas et parle vers le haut, même si, si c'est en filigrane. Hein Parce que je, cherche à, je, je, je ne veux pas produire du malheur, euh, de la laideur ou du désespoir. Je veux produire alors du comique, de l'humour, du beau, de la, du littéraire, mais jamais de, de choses euh, euh, comment, euh, négatives, gratuites. Excellent. Puis euh, je, je comprends tout à fait parce que moi, pour moi, la limite éthique, la catégorie éthique ne s'appliquerait par exemple que dans un texte idéologique, euh, et là je vais, je vais, parler, je vais comment dire, référer à la fontaine pour que je considère que la fontaine, auteur des fables, soit nécessairement un idéologue, mais c'est que lui, en fait, c'est qu'il cherchait à quelque part à... Euh, instruire à, par, sa, par, ses, par ses satires et, et compagnie, comme il cherchait quand même à, à avoir un impact, euh, un impact sur les mœurs, un impact social. Et moi, en fait, je n'ai pas du tout cette composante-là, par exemple, dans mon écriture. Je cherche à produire du beau. Donc, je suis vraiment au stade premier chez Kierkegaard, le stade esthétique. Et la seule question que, que mon lecteur a à se poser, c'est est-ce que, dans le fond, le texte est beau? Et si ça donne... Que le contenu, le sens du texte, est en accord avec vos prémisses, avec, vo avec votre Weltanschauung, ou pour le dire au pluriel toujours en allemand, Weltanschauungen. Eh bien, grand bien vous fasse. Mettez ça dans votre pipe et profitez-en, parce que de toute façon, euh, le contenu chez moi est toujours, euh, est, est toujours un prétexte, toujours euh, accidentel. Euh, ici, euh, Trois des Montagnes qui dit à quand un podcast collaboratif avec Isara et Christian Adam. Christian Adam, c'est un de mes amis euh, auteurs. Donc, il a publié deux livres et beaucoup de, de critiques euh, littéraires. Euh, c'est sûr que vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas un auteur qui est connu. Il est venu sur mon podcast une fois. Lui, il vous connaît et euh, je, 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 je crois que ça l'intéresserait. Donc, euh, on s'en reparlera après le podcast ou off-podcast. Si jamais vous voulez revenir pour une trilogie sur Troll Academy, je pourrais demander à mon ami Christian Adam, qui est un autre auteur. On pourrait se faire une petite rencontre à trois. Ça, ferait, ça, ça, ça pourrait être intéressant. Oui, avec plaisir, oui. Parfait, parfait, parfait. Euh, je regarde s'il y a d'autres questions. Euh, ah, oui. Ici, si, j'ai pas vraiment encore répondu totalement. à, à la, à ah, mais... question, l'avant-dernière pour... question, pour sur les limites euh, morales. Ouais, poursuivez. Ouais. Par exemple, bon, j'essaye au maximum parce que bon, c'est pas on va, on va dire, on va trouver ça peut-être saugrenu. Euh, euh... Euh, loufoque, mais euh, j'essaye dans la mesure du possible, ça m'est arrivé, mais j'essaye au, au, au maximum d'éviter certains mots, en effet, que je n'aime pas. Voilà, parce que, pour, euh, parce que je veux que mes textes soient positifs. Par exemple, le mot euh, euh, enfer, euh, diable, euh, Satan, etc. Je, bon, je ça m'est arrivé de l'utiliser lorsque vraiment je ne peux pas faire autrement, mais en général, j'évite, parce que je voilà on pourrait tr trouver ça puéril mais je ne veux pas me donner des éléments comme ça de noirceur dans mes textes qui font référence que, parce au... que c'est des images très binaires c'est des images très binaires très, très compassées très usées très galvaudées euh, tu sais enfer c'est comme on pourrait acheter un, on pourrait racheter une majuscule au e euh, mais moi je, je vais préférer, par exemple utiliser mettons des, des termes comme la guéenne. Hein, la guéenne. ou euh, la bouche d'ombre euh, le grand précipice bon le grand précipice pas particulièrement original mais L'affaire, c'est qu'enfer est, est quand même une image, une idée poétique qui peut être raffinée. C'est tout à fait faisable de réinventer cette idée-là ad libitum. Je veux dire, il suffit de réfléchir un peu puis on va, on va être capable de trouver des, des périphrases et des images un petit peu plus novatrices et saisissantes pour parler de la même chose. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, je n'utilise pas ce mot dans l'enfer dans le sens où que je, par exemple, c'est un enfer qui est voué à, à la damnation. Lorsque je l'utilise, ça doit être dans un, comment, un esprit positif. Ça peut être le contraire de l'enfer. Alors, je peux trouver des sonnimes, ce n'est pas la question. Mais c'est pour dire que je n'aime pas, euh, euh, par exemple, vouer des personnages à la GN. Non, moi, de toujours de sauver les gens, de, de leur accorder une rémission. Voilà, c'est ça que je veux dire. L'alchimie du et comme disait Charles Baudelaire dans sa préface Jamais publiée aux Fleurs du Mal, aux muses. J'ai transformé la boue en or. Donc, lorsqu'on parle de l'enfer, il faut le faire comme Dante Alighieri, il faut le faire bellement. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ici, on a cas de Lulu qui dit Raphaël, on attend un texte ciselé sur l'accent québécois. Alors, si mes souvenirs sont bons, j'ai écrit, oh, j'ai fait référence, j'ai fait une allusion. Oui, euh, mais alors, je ne... non, je ne pense pas que je l'ai publié ce texte. Ça fait longtemps déjà. Lorsque j'étais sur un forum littéraire et j'avais parlé de l'accent euh, québécois, en effet. Mais alors, euh, j'ai euh, je, je dû perdre ce texte. Hein, je ne l'ai pas. Euh, je, bon, il... Un potentiel inédit de Isara qui un jour pourrait être vendu à plusieurs centaines de milliers de dollars, un peu comme les toiles de Vincent Van Gogh. Donc, Isara et Van Gogh auront été pauvres toute leur vie, auront vécu euh, de façon christique et après leur mort. Euh, leurs travaux, leur œuvre qui leur aura survécu, pourra se vendre à des centaines à des milliers de dollars, voire des millions de dollars euh, à, des, euh, à des gros bourgeois qui les collectionneront pour effectivement attirer la faveur des femmes qui demeureront éternellement enamourées par la poésie du euh, poète euh, Raphaël Zachary de Isara. Ici, Amon qui demande Est-ce que vous connaissez le journal de personnes? Donc, ça semble être un pseudo, c'est tout en un mot. C'est une femme comme vous qui écrit un texte par jour depuis dix ans. Non, je ne connais pas du tout. Mais Allez, okay. je, je m'intéresse très peu au, au blog des autres. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir puis on va aller voir c'est quoi? Le journal de personne. On va aller voir qu'est-ce qu'elle produit, cette, cette personne-là. Donc, le journal de personne. Ici, on a les journaux. Journaux pour tous. Le fabuleux destin de quelqu'un. Bon, comment on fait pour avoir accès à un texte? Hein? L'accès aux sur le site à l'espace commentaire, plus d'une cinquantaine de vidéos avec formule 10 euros par mois. Ah oh bon. Je pense qu'il faut payer pour pouvoir lire ce que cette personne-là écrit. Donc là, c'est trop chiant, on laisse faire. Euh... Ici, Sigismond de Sapodia, euh, que pense Raphaël Sakari de Isara euh, de Yukio Mihima? Je ne connais pas. Je ne, je ne connais que moi-même, vous savez, euh, tous les autres, euh, même les Français, je ne les connais pas. Alors, hein, vous pensez bien, les Japonais ont, en général. Hein, je connais très peu de d'artistes, en fait, hein, par mois. Hein. Et c'est normal. Est-ce hein, ouais. que vous si est selon vous, d'une de vos forces? Okay? Parce que moi, à l'inverse de vous, j'ai lu et je connais intimement, oui. je peux oui. citer dans le texte énormément d'auteurs. Vous le savez, vous m'entendez là, dans le podcast, oui. je, fais, je fais ce qu'on appelle du name dropping. On m'accuse souvent de ça. Mais j'en suis très fier parce qu'à quelque part, je paie ma dette à ces gens-là qui ont influencé ma pensée. Ça me fait plaisir de le faire. Et en même temps, ça me fait passer pour une espèce de petit know-it-all, un petit érudit, un petit emmerdeur. Euh, donc, c'est parfait, ça, ça fait chier les cons. Mais est-ce que le fait que Isara, à contrario, le Master Troll, est totalement souverain dans son univers, qu'il ne contamine pas avec des paroles venues d'une étrange contrée, est-ce que ça l'avantage dans sa création littéraire ou est-ce que ça le limite? Alors, c'est à double tranchant. Alors, en fait, il m'est arrivé d'écrire de... des choses que je croyais uniques. Et puis, en fait, il s'avérait que ça, a été, ça avait été déjà décrit ou écrit par d'autres. Mais ce n'est pas grave. Moi, je reste vierge. Ma plume, elle est vierge. Et puis, je suis dans une permanente créativité. Je ne suis influencé par personne. Aucun écrivain ne m'influence puisque je ne l'ai pas lu. Et je, je veux me. Enfin, je suis moi-même mon monde. Quoi. Je m'inspire de, de mon propre monde. Alors, ça peut être les muses, ça peut être le ciel, peu importe. Mais c'est ce qui fait ma spécificité et mon originalité, c'est que je n'ai aucune influence livresque. Imaginez à quel point ça serait insultant si un jour, vous vous connectiez à votre page Wikipédia, que vous n'auriez pas écrit, évidemment, et que c'était marqué « a été influencé par » deux points, et là, dans le fond, il y aurait une panoplie d'auteurs. <laughs> euh, à, à mon sujet, j'ai pas bien compris. Ouais, c'est une, une, une blague peut-être un petit peu trop sophistiquée. Là. Oui, peut-être, que... parce que je suis Le Canadien, ah ouais. moi, je... Je ne perçois pas toutes les finesses, enfin, euh, les finesses, euh, la finesse, elle est plutôt dans la langue française. Ouais, non, mais c'est là, là, que... ce qu'on pourrait appeler une blague un petit peu trop subtile. Ici, ton tube, tube qui demande, Isara connaît-il Maurice Bardèche Là, on est encore un peu dans la même logique. Il ne connaît pas Maurice Bardèche. Il ne connaît pas les autres auteurs. Il ne connaît que Isara. Il ne fait que du Isara, mesdames et messieurs. Que cela soit dit pour toute l'éternité. Ici, Steve Saint-Pierre, je viens de faire une demande d'accéder à un de tes groupes. Je vais publier de la bombe que tu pourras exploiter à ta guise. Oh. Oui, avec plaisir, oui. Euh, je ne comprends pas trop. Hein. C'est un Canadien, je suppose, qui me, qui me parle. Euh, oui, ouais, je pense que c'est un Canadien. Et je ne comprends pas mais... trop ce que ça signifie, hein, cette phrase. Apparemment, il veut, je ne sais pas. Ouais, mais on, quoi on, euh, vous, vous me tiendrez au courant. Vous me tiendrez au courant de la, 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 la teneur des textes ou des choses qui va, qu va poster dans vos groupes, on verra. Ici, euh, Dushka. Est-ce que Raphaël peut nous parler de son frère humoriste de talent, Xavier de Isara Il a eu son un quart d'heure de gloire chez Hanouna. Au oh, plus, de, il est passé trois fois, je crois, chez Hanouna. Oh, oui, oui donc... bah, alors... Mon euh, frère, alors, bon, alors euh, Xavier, lui, il a, il a beaucoup plus de succès que moi. Hein, il fait des millions de vues. C'est même devenu, on peut dire, un influenceur. Hein. Je n'ai pas son succès. Euh, on n'est pas sur la même... Euh, on n'est pas dans le même état d'esprit. Cela dit, nous sommes issus du même moule familial, hein, du même moule euh, culturel. Donc, moi, euh, ce qu'il euh, qu publie sur YouTube, bah, je trouve ça anodin, puisque je, je le connais et puis je connais cet esprit. Donc, pour moi, ça ne me, ça me surprend pas. Quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ça, Étant donné que moi, je suis habitué à cet état d'esprit, à cet esprit-là. Euh, ces vidéos me paraissent euh, normales. Quoi. Puis lui, dans le fond, il crée, il crée sur quoi C'est mais... quoi ses centres d'intérêt Oui. C'est-à-dire qu'il qu paraît beaucoup plus éclatant aux yeux des autres qui ne le connaissent pas. Mais c'est quoi, quoi, quoi qui produit De la musique euh, Des textes Non, ben c'est des. Ce ah non, un humoriste, des... okay, humoriste excuse-moi. Oui, oui, non, mais c'est sous couvert d'humour. Il parle d'actualité. Il ouais. essaye d'éveiller les, euh, les consciences, les gens. De, il essaye d'expliquer la, la marche du monde. Et puis. Euh, voilà, toutes les forces cachées qui fait que euh, les gens ne voient pas euh, l'essentiel. Hein. Il essaye d'ouvrir les yeux et, et l'âme des gens euh, qui sont abrutis par les écrans, la télévision. Bah, je, moi, je fais la même chose, mais je m'y prends autrement. Alors, peut-être d'une manière un peu plus brutale, en ce qui me concerne. Mon message passe beaucoup moins bien. Alors que lui, il fait passer ça avec humour, avec subtilité. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus euh, connu que moi. Il a beaucoup plus de succès que moi. Il est sur la même ligne, c'est lui aussi, c'est ce que c'est un conservateur. Oh, oui, oui. Ouais. oui, oui, les, euh, non pas, pas, pas sur le, la politique, non, mais sur, sur euh, la tentative d'éveiller les, les abrutis, quoi, les masses abruties par les médias, par les télévisions. Voilà, il est, il est, mais il le dit de manière euh, voilà qui est plus acceptable que moi. Oui, beaucoup plus fine que moi. Ouais. ouais. Et donc, ça lui permet, comme on, comme on sait, de, de pouvoir fonctionner dans les, euh, le, 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 les médias mainstream. Et, euh, mais oui. tu sais, on sait, l'humour a été défini par Alain Soral comme étant un antidépresseur. Je ne sais pas si c'est lui qui a la paternité de cette analogie-là, mais j'ai toujours trouvé ça intéressant. Effectivement, l'humour aujourd'hui, c'est une façon de désamorcer, de déprogrammer les gens, euh, oui. de, les, euh, de, de rendre à leurs yeux toute révolution, euh, tout désir de changer les choses, euh, on va dire, euh, euh, exagéré. Parce qu'ils se disent, dans le fond, le héros a transcendé dans le film hollywoodien que j'écoute. Et il y a nos antidépresseurs à deux pattes que les, qui sont les humoristes qui, finalement, euh, rient à notre place des élites. Et on a l'impression après ça que la job a été faite. Hmm. Bah, disons que euh, son humour est pédagogique, quoi. Il essaye de faire passer des messages qui sans hmm. cela ne passeraient pas. Quoi, hein. il faut, il, avec l'humour, vous savez, on peut faire passer des messages beaucoup, beaucoup mieux. Qu que plutôt euh, frontalement, comme moi, sans humour. Moi, j'y vais ouais. plutôt avec... Euh, une... Mais vous, vous ouais. c'est la poésie. Vous, dans le fond, ce qui aide à faire passer vos messages, c'est la beauté, c'est leur, leur beauté, le, le, le poésie, le, le rythme, l'écriture, tout ça. Genre. Si, dans le fond, vous, vous ne feriez qu'écrire des textes informatifs plats, donc de, de, la, de la prose, on va dire, euh, la prose de journal, là, ça serait encore plus chiant. Là, ça serait ça sera épouvantable. Mais comme... Non, mais bien sûr, comme oui. Comme il y, a, il y a un travail, et je le dis gentiment, un travail d'emberlificotage en arrière, en arrière du message, mais là, ça, ça le rend beaucoup plus digeste. Vous savez, si on écrit pour dire des, des platitudes, ça ne sert pas à grand-chose. Hein? Ouais. Ici, on a iRes qui me fait une recommandation. Chers amis québécois, je vous invite à regarder une série de vidéos appelée Isara danse, ainsi que toutes les vidéos réalisées avec son fidèle compère Quentin Rouchet. Et ici, Douchka qui dit Mathieu, étonnant que vous ne connaissez pas ça. Euh, là, elle me donne la chaîne, la chaîne du frère en question. Donc, effectivement, non, oui, je euh, pas de parler. Douchka de Lulu, il faut dire que euh, Comment... votre j'ai oublié, monsieur l'évêque est canadien, donc il euh, voilà, il connaît, il, il connaît pas nécessairement euh, le succès de, de Xavier. Et au, et au Canada, de toute façon, euh, on connaît peu d'humoristes français. Ben, en, fait, en fait, on connaît les. On pourrait dire les plus grands, là, bien que ce soit relatif et que grand doit être entendu uniquement en termes de, de rayonnement à l'international. Mais euh, bon, il y a Dieudonné qui est connu un petit peu pour les mauvaises raisons, on va dire. Euh, mais sinon, ben, c'est les mêmes, toujours là, Gad Elmaleh, euh, puis euh, l'ancien collaborateur de Dieudonné, le, le petit juif. Allez, euh... euh, c'est Elie Semoun, ouais, lui, j'ai déjà entendu. Ah, vous parler. Bah, je vois qu'on on vous refourgue tous les humoristes oui. officiels, en fait. Hein. Et celui ce, qui avait joué dans, dans Astérix et Obélix, euh, Jamel Debbouze, lui, je oui, connais. Bon. Et il, y en a, il y en a un autre au nom, au nom un peu anglicisant, mais semble que j'aime beaucoup, qui a, qui a un humour assez. un humour un peu absurde, très, très froid. J'oublie son nom. Il y sûrement quelqu'un qui va le savoir dans les commentaires. Lui aussi avait joué dans, dans le premier film Astérix et Obélix. Je l'avais trouvé, lui, je le, je le trouve quand même intéressant. Ici, Trois-des-Montagnes, est-ce que Isara est le véritable auteur du fameux faux de Rimbaud ou n'est-ce qu'une pathétique pantalonnade? Ou une géniale euh, invention? Mais et, et, la réponse, je j'ai déjà répondu à cette question. Hein. La réponse, elle est dans le texte. Dans le texte, prétendument, de Rimbaud. De M. Rimbaud. Elle est dans la sagacité euh, de, de l'exégète. Dans la sagacité du lecteur du lecteur euh, de littéraire hum. J'ai répondu à ces questions. Eh, la réponse, elle n'est pas dans les, les éprouvettes de, de laboratoire de ceux qui ont analysé ce texte, les scientifiques qui ont essayé de dater la tec, de, le texte, de, 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 de vérifier l'origine de l'encre ou du papier. La réponse, elle n'est pas là, elle est dans le texte. Hey, une une marche, littéraire. Dernièrement, je suis tombé sur un faux Pascal en référence à Blaise Pascal qui aurait été retrouvé à la BNF par Victor Cousin euh, au milieu des années 1800. Et lui, en fait, il a lu les premières lignes et il était convaincu que c'était du Blaise Pascal. Et c'est drôle parce que j'étais allé voir ce texte-là, puis je me suis dit comme, mais non, c'est clairement une imitation, puis même en plus une mauvaise imitation. Puis depuis, euh, paraît-il que ça fait encore débat pour savoir est-ce que c'est un vrai ceci, est-ce que c'est un vrai cela. Je pense qu'un un auteur réellement idiosyncrasique, réellement plein de lui-même, comme un Isara, par exemple, un auteur qui... Euh, sans scrupules, euh, avec audace, avec sincérité, fait du lui-même, euh, va être très, très, très difficile à imiter. Alors que les auteurs médiocres sont les plus faciles à imiter. Mais est-ce que vous pensez, sincèrement, que M. Rimbaud, si, bon, qu'il soit ou non l'auteur de, de, de ce texte, donc d'ailleurs, j'ai oublié, le, le rêve de Bismarck, est-ce que vous pensez qu'il aurait eu des scrupules à écrire ce texte s'il avait été de lui ou de non, euh, attendu que ce texte, il faut euh, pour le euh, comment pour l'authentifier, il faut le mettre dans des éprouvettes. Ce que je veux dire par là, c'est que les exégètes, les prétendus spécialistes de Rimbaud, ne sont pas parvenus à déterminer si ce texte était de Rimbaud en se basant sur la qualité li littéraire du texte. Il leur a fallu euh, le secours d'éprouvettes, de, de, de microscopes, je, je ne sais quoi. On ouais. ce texte. Vous voyez que ce des recoupements. Est-ce que ce texte là a déjà été évoqué dans la correspondance On sait que la fameuse chasse spirituelle qui est un, qui est un texte qui a, qui a hanté les Rimbaldiens pendant très longtemps qui, qui voulait mettre la main dessus. Euh, Aujourd'hui, je pense que ça fait euh, ça fait consensus que c'était une invention de Verlaine dans, euh, dans une stratégie de récupérer en fait euh, les papiers euh, les papiers littéraires et poétiques concernant Rimbaud qu'il avait laissés. Euh, Qu'il avait laissé chez son, chez son ex-femme. Donc, euh, la, la chasse spirituelle, par exemple, c'est un, un texte qui n'aurait apparemment jamais existé. Mais bon. Eh bien, moi, je cherche à récupérer les comment les, les sincérités, les bonnes fois, hein, euh, à discerner l'ivraie du bon grain. C'est-à-dire que vous avez les mauvais lecteurs qui s'extasient sur des textes médiocres, sous prétexte qu'ils qu seraient signés de Monsieur Rimbaud. Et puis, il y a les autres. Qui, qui ne se fie qu'à la qualité textuelle, sans s'occuper euh, de qui a signé ce texte. Puis au final, qu'est-ce que ça change Est-ce que, est que le texte est beau Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il évoque des sentiments exceptionnels Est-ce que bah, ce texte-là me permet, comme le Christ, de rapparaître glorieux euh, au devant des nuées Alors ce texte. Une, une, il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais. Il est, pas mauvais. Il est euh, euh, malicieux, hein? il y a peut-être des airs isariens, peut-être des euh, masqués, puisqu'il est, il est censé euh, être issu de ma plume, ce texte. Je le rappelle. Officiellement, par rapport, par rapport à moi. Attends, il y a des gens qui disent que c'est vous qui auriez, qui, qui auriez écrit le rêve de Bismarck Non, ce n'est pas moi. Ce ne sont pas les gens qui le disent. C'est moi, je l'ai dit. Ah, oh, vous, vous avez dit que vous avez écrit le rêve de oui. Bismarck. Mais qui me croit J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Personne ne me croit. Dans les, dans les milieux autorisés, personne ne me croit. Mais la face, il faudrait savoir où est-ce que ce texte-là a été retrouvé. Parce, parce que si c'est vous qui l'avez écrit, c'est sûr qu'ils ne l'ont pas retrouvé chez vous. Là. Et vous, Il aurait fallu que vous, que, que vous alliez le cacher quelque part dans une, dans une collection ou que vous le oh, il y a, Oui, Il y a beaucoup, beaucoup d'autres moyens de... Vous savez, de faire entrer dans un texte comme ça, inconnu, sorti de, du néant, de le faire... Euh, vous savez, ma, ma spécialité, c'était aussi de laisser des, des textes, d'aller à, à la bibliothèque, dans une bibliothèque, et de laisser des pages, de textes mystérieux entre des, des pages de livres. Ça, c'était une, une expérience que j'ai fait, une expérience euh, mystico-spirituelle, poético-livresque. C'est très intéressant parce qu'on voit tout le cheminement, le voyage qu'un texte sans, sans auteur, un texte Mystérieux, quoi. Euh, on voit le voyage qu'il peut faire dans la presse, de d'âmes en âmes. Et ça, c'est très intéressant. Et après, on voit le, le, après le cheminement où est-ce que ça aboutit. Alors, ça peut aboutir à, à du néant, à un oubli total, ou alors à une, une postérité euh, artificielle, comme euh, le rêve de Bismarck. Le rêve de Bismarck, moi, Moi, j'ai bon. je suis un, un fan de Rimbaud depuis que, depuis que j'ai 15 ou 16 ans, je connais son œuvre par cœur. Euh, puis je me souviens que le rêve de Bismarck, ça avait été retrouvé. Ça a été retrouvé quand, à peu près Genre à la fin des années 2010 à peu près Quatre, euh, de, de 2008. 2008, OK. Le rêve de Bismarck, fantasy. Premièrement, c'est un texte qui a, euh, on va dire, une espèce de, de présupposé politique, ce qui est assez rare chez Rimbaud. Peut-être euh, le poème euh, Démocratie dans l'illumination », mais il y a beaucoup de gens qui se demandent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le, le titre de démocratie aurait été rajouté a posteriori puis que le titre serait pas de Rimbaud. C'est le soir, sous sa tente, pleine de silence et de rêve, Bismarck, un doigt sur la carte de France, médite. De son immense pipe, c'est cool, un filet bleu. Tu vois, genre, moi, là, ça, ici, c'est le premier truc qui me fait douter. Parce que le, le, le truc du filet bleu, ça, c'est une image qui est très, qui est très rebaldienne, fumer la pipe, ça, ça se retrouve par exemple dans, dans la Bohème, ça se retrouve dans euh, le, le poème à Saint-Cloud, s'échappe un filet bleu, les filaments bleus dans le bateau Yves. Là, ça, ici, j'ai comme l'impression que c'est forcé. J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui a pris des mines, qui a pris des images euh, chères à Rimbaud puis il les a mis là-dedans. Mais en même temps, c'est sûr que Rimbaud, ces images-là lui appartiennent. Donc, il aurait pu, il aurait pu les, les réemployer également. Là, Bismarck médite son petit index crochu. Là, là on imagine Raphaël Zacharie de Isara en train d'écrire ça en riant à gorge déployée avec sa femme à côté euh, qui dit Lâche pas mon beau. Euh, son petit index crochu. Chemine sur le Velin du Rhin à la Moselle, de la Moselle à la Seine, de, de l'ombre, Il a rayé imperceptiblement le papier de Strasbourg. Il passe outre. Triomphant Bismarck a couvert de son index l'Alsace. On va aller lire la fin. Eh bien, mon cher, quand vous partagez la choucoutre royale, vous rentrerez au palais avec des crimes. Et là, il y a même mot illisibles ici. Donc, Raphaël Zachary de Zara est peut-être même un génie. Il a tellement voulu que son faux soit réaliste qu'il a euh, lui-même rendu déchiré. certains des mots illisibles. C'était une déchirure du texte euh, prétendu, euh, prétendument euh, original. Ouais. Mais en même temps, si c'est un vrai texte de Rimbaud, c'est probablement une espèce de, de pastiche étudiantin. Là, on imagine que c'est un texte qui a été écrit un petit peu par un jeune, un texte trolatique justement, pour choquer, pour provoquer, euh, évidemment sous pseudonyme, parce qu'à cette époque-là, on, on pouvait encore ouais. avoir des, des prisonniers. Non, mais dire. je vais vous dire, je vais vous dire, je, je vous interromps, je vous dis, ouais. ce texte que vous avez lu en, partiellement, il est de Rimbaud, mais est-ce que vous y croyez quand je vous dis ça? Est, je n'ai ben, pas, pas étudié le dossier. Donc, honnêtement, je ne peux même pas me prononcer. Je veux dire, on me dit qu'il est de Rimbaud. On euh, vous dit, les, platistes, on vous dit. les platistes vont dire euh, Tu crois que la Terre est ronde, pas parce que tu l'as vu toi-même, parce qu'on te dit qu'elle est ronde. Ouais. Donc, euh, là, là, je ne suis pas platiste. Je, je prends cet exemple-là complètement euh, hors propos et exagéré pour troller. Mais euh, on, on me dit qu'il a été écrit par Rimbaud, mais je n'ai pas étudié le dossier moi-même, donc j'en ai aucune idée. La vraie réponse. Mais le doute est, est, est sain, euh, cela dit. C'est -ce très sain. Il y a de dit, doute. Une, une question vraiment, euh, vraiment incroyable. Euh, Est-ce que Isara pourrait nous parler de son empalement Ah oh oui, avec plaisir. Ah ben pour moi, c'était une, une belle expérience de ma vie, hein, euh, euh, une belle expérience, ainsi que l'hospitalisation <laughs> qui a duré une semaine. Non, mais je ne plaisante pas, hein, c'était euh, très instructif, très bien, j'en suis très heureux. Et si c'était à refaire, je le referais. Mais je ne le ferais pas deux fois, cela dit. Mais -ce euh, je, je suis très heureux d'avoir de, 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 vécu ça. Est-ce que c'était voulu ou c'est accidentel ah, Pas du tout. Non, non, pas du tout. Absolument pas. Non, non, c'était involontaire, mais je ne regrette pas. Ça fait partie des richesses de la vie. C'est l'expérience de la vie. Voilà, la confrontation avec la mort. J'ai regardé la mort en face. Et puis j'étais hospitalisé. Voilà, j'ai fait face à ma plus grande angoisse. C'est-à-dire de me faire endormir euh, sur une table d'opération. J'ai toujours eu ouais. peur de me faire endormir. Et bien, ça s'est très bien passé. Puis je suis ici pour aujourd'hui, voilà, pour vous en parler. Et Mais je n'ai la la tige, la tige de métal, j'imagine. Elle, 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 elle est entrée euh, dans, dans une fesse. C'est pas rentré dans l'anus. Non, non, pas du tout. Dans, euh, dans mon dos. Ouais. Là, à ce niveau-là. Et okay. elle est ressortie dans mon ventre. Trans, ouais, ouais. quoi. Vous pouvez vous à ouais. un petit peu, là Comment, comment ils ont fait pour vous sortir de là Ils sont venus avec, des, euh, avec des, des pinces à métal puis ils l'ont. Euh... Oui, les pompiers. Alors moi, je n'ai rien vu parce que j'étais euh, en palais. Donc, euh, ouais. le palais était dans mon dos. donc je, bon, Ils ont coupé avec, un vous savez, une pince, ouais. tout simplement. Et en plus, ce qui est une chose extraordinaire, je n'ai aucun traumatisme. Au contraire, je suis même enchanté. J'étais enchanté. Bon, mais sur ça, le ça coup, a, Ça n'a pas, pas, pas touché aucun organe, ça n'a pas touché le diaphragme. Non, non, non rien. Alors, ça je ne sais pas pourquoi, ou c'est peut-être moi qui... Euh, vous savez, on appelle ça comment la, la résilience. Ouais, mais ouais, je n'ai aucun traumatisme psychologique, euh, rien. Que, que, que même de l'amusement, ça me fait rire. Je le prends avec humour. Ben c'est je... ça. C'est un peu comme on parlait au début, que vous vous laissez positivement influencé par toutes les choses qui vous entourent, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, entre guillemets. Euh, ben, à fond, comme cet empalement là est devenu même une source de création, euh, une source de création poétique. Oui, je n'ai rien créé euh, à partir de là, mais voilà, c'est non, ça fait partie des, de la richesse de l'expérience de la vie humaine pour moi. Je ne me plains pas du tout, je, je me plains pas. Je me plains d'autant pas que je, je n'ai aucune séquelle. Donc, euh, ça serait bien malvenu de ma part, bien ingrat de ma part envers le sort, que d'aller me plaindre. Non, ah oui. au contraire. Je remercie le ciel d'avoir pu vivre une telle expérience aussi intense euh, sans que j'en ai des, la moindre séquelle, ni psychologique, ni physique. Donc bon, je m'en bon, sors très bien, je suis très heureux. On arrive un petit peu euh, à la fin du show, mine de rien. Euh, Peut-être quelques dernières questions par rapport au processus créatif. Donc là, vous, est-ce que euh, vous écrivez un nouveau texte tous les jours? La, la moyenne au bat, c'est quoi à peu près? Non, non, ce n'est pas tous les jours. Ben, c'est selon. Euh, 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 les allées et venues de mes muses, hein, et à mes muses, certains, certains jours, eh bien, ne sont pas au rendez-vous, je ne sais pas pourquoi, ça les regarde. Et puis certains jours, eh bien, elles sont affairées autour de moi, elles me, elles me supplient de, voilà, de, de créer, elles me. Elle vous travaillent au corps. C'est cela, c'est cela. Elles sont au pied de mon lit, et puis euh, je ne peux rien faire sans ce, tant que je n'ai pas euh, pondu mon, mon œuf littéraire, hein. Est-ce que, est que Isara a des textes euh, dans, son, dans ses tiroirs, des textes inédits qu'il conserve pour après sa disparition, sa disparition finale Pas ah, du tout, euh, j'écris au jour le jour. Tout ce que j'écris, c'est au jour le jour. Et donc, il euh, s'est écrit et mis en ligne et il n'y aura pas de texte posthume Alors, euh, non, mais par contre, j'ai un texte et puis d'autres. Alors, par exemple, lorsque si je fais des séries sur Clenchon, bon, ben. Bah, euh, quand je, je décide d'écrire sans texte, bon bah au fur et à mesure j'écris sans texte jusqu'à ce que le projet soit bouclé. Ensuite j'ai un texte qui s'appelle par exemple euh, Marguerite, enfin euh, je sais plus le titre. Et là il est, il est, il est en chantier. Bon je l'ai arrêté et puis j'attends que d'autres, je ne sais pas. Bon, enfin il, le, le texte est assez long et, et j'attends. Je veux dire qu'on me qu vienne me, me demander une suite pour écrire la suite. Alors le dernier texte, le dernier s'appelle Saillie par un nègre. Et c'est oh. le dernier chapitre. Et j'attends que Un beau texte pourrait être cancellé, ça? Oui, c'est un... l'histoire d'une vieille fille. Une vieille fille. Euh... Vieille... J'écris ça au jour le jour. Euh... Mais en France, là, en France, le mot en haine, comme on l'appelle euh, au Québec, le mot oui. en haine. Vous en êtes oui. rendu où avec ça? Est-ce qu'il est toujours discible ou est-ce qu'il a, été... a été proscrit de l'espace public? Pas du tout, pas du tout. Il est toujours sur mon blog euh, Isara Lune. Ok. Marguerite, euh, tapez Marguerite, vous allez tomber dessus. Euh, là, il y a une charge frontale contre Raphaël Zacharie de Isara dans les commentaires. Donc, euh, un coup de bélier, euh, quelqu'un qui décide de ne pas y aller que le dos à cuillère. Du nord, Jean-Michel dit. Oui, du nord. Donc, Raphaël ben alors, Zachary Isara est un pur plagiat et un faux littéraire qui ne sait oui. ni lire ni écrire comme, comme le prophète Mohammed. Oui, bon, alors Du Nord, c'est un. C'est un troll, c'est un... Il est, il est rigolo. Hein. Il n'est pas très intelligent, mais il est très rigolo. Ben, il là, est, attention, il est très là, rigolo attention, faut que je vous arrête. Là, vous êtes sur le podcast Troll Academy. Donc là, il faut faire la différence entre un troll mmh. comme le Master Troll et un troll I.I.Q., I.E.Q., I.Psyche qui traite mmh. bien les victimes de ces trolls, qui cherche à les édifier qui veut leur permettre de grandir, comme les élèves du professeur Keating à la Société des poètes disparus. Et il y a les trolls, souvent mid to high IQ, comme j'aime dire, mais toujours systématiquement low IQ, qui cherchent à nuire et à, euh, dans le fond, nous faire comprendre qu'ils sont mais... mal à la vie. Bon, vous voyez bien sur sa photo qu'il ne... qu'il brille par l'intelligence. Voilà. Je vais mais dire. Est-ce que ce gars-là a été assez stupide pour mettre cette face-là qui serait la sienne en gros plan sur mais... son image? Sur son avatar YouTube. Alors, mi, euh, Jean-Michel Du Nord est un humoriste qui s'ignore. Il fait de l'humour sans savoir. Bon, il est, je sais pas trop. Bon, je le prends, bon, parce qu'il est d'abord premier degré. Il est très intelligent, hein, très ah fin, ouais. très subtil. Donc il y va avec ses gros sabots. Et il, est, il est du Nord d'ailleurs. Hein. Mais il doit être. Moi, bon, je suis pas méchant. Lui, il y va. Bon, il me, il, il cherche à me ben je ne sais même pas ce qu'il a contre moi d'ailleurs. Mais, Mais sûr, je pense avec il beaucoup d'humour. Il doit se, se sentir dans l'ombre de votre frère. Donc là, comme comme il ne peut pas se venger directement de Xavier, parce que Xavier est trop puissant médiatiquement. Donc il se venge du petit canard à la patte cassée, des Isara Non, non, ce n'est pas ça. C'est que non? Et, et depuis euh, une quinzaine d'années, il me semble, et, tous ceux qui. Euh, toutes les, les personnalités connues sur Internet, bon, ben, il est, il est clash comme ça pour euh, C'est son mode à lui de... Euh, comment son, son mode d'expression à lui, quoi, parce que vous savez, quand on est limité intellectuellement, ben est, ben je dis ça sans aucune méchanceté, hein. oh oui. ben, ben on ne peut pas faire autrement, quoi. Mais moi, j'ai beaucoup de bienveillance envers lui, d'ailleurs. Hein. Je n'ai rien, parfois, il m'arrive de le bloquer lorsqu'il est trop envahissant, mais je n'ai rien contre lui, c'est juste un, vous savez, je le prends un peu avec, euh, pas avec pitié, mais enfin avec euh, condescendance, mais moi, j'estime qu'il n'est pas vraiment méchant. Il fait de l'humour euh, bien gras, bien gros. Il me fait rire, d'ailleurs. Hein? Il me fait beaucoup rire. Mais hein? Raphaël, Zachary, c'est le week-end, c'est le congé pascal, c'est le week-end de Pâques. Et que nous disait Yeshua Aimez vos ennemis. Les seuls passages de l'Évangile qui m'intéressent sont ceux qui ne sont à peu près jamais repris par les gens de droite, ceux qui sont les plus euh, ostracisés, ceux qu'on aimerait oublier parfois. Aimer ennemi, hein. nos ennemis, disait l'agneau du Seigneur. Oui, ça, mais. Ça veut, dire, ça veut dire que nos ennemis, en réalité, sont des gens qui travaillent bénévolement pour nous. Donc, si leurs critiques sont justifiées, non, mais... ils, nous permettent, ils nous permettent de développer du self-awareness et de bonifier notre rapport au monde. Oui, mais alors, sauf que du Nord n'est pas mon ennemi il ne critique pas, il n'a il, il pas le pouvoir de critiquer, il n'a pas les moyens de... Il est juste là pour, euh, une, pour euh, manifester sa présence, mais euh, quel que soit, pour lui, vous savez, c'est du nord, il faut le connaître pour le comprendre. Ce n'est pas mmh. quelqu'un qui va venir critiquer pour... Il fait du clash premier degré, ça ne va mmh. pas plus loin, c'est... Je vous dis, comme il est quand même un petit peu limité, alors sur le plan culturel et intellectuel, bon, bah, mmh. moi, je, moi, je suis euh, très bienveillant envers lui, hein, je n'ai j'irai jamais lui faire des méchancetés hein, jamais non non moi je voilà je le prends comme un, vous savez comme euh... je sais pas comme une marionnette quoi je il est pas très il est il a... je pense pas qu'il soit responsable à 100% de de ses actes et puis euh... arrêtons de lui donner du temps d'antenne comme ça euh, ici troll de Montagnes, qui réfère à probablement mon écrivain français préféré euh, Jacques Lacan qui pour moi est à la fois un fou littéraire un génie un, un, un usurpateur un, un... Un charlatan, tout ce que vous voulez. Jacques Lacan est tout ça. Il est holistiquement plus grand que toutes les contradictions qu'il compose. Et ici, on a Isara apprécierait-il le fameux texte mystérieux de Jacques Lacan? Malheureusement, je ne sais pas à quoi il fait référence ici. non plus. D'ailleurs, je ne connais pas Jacques Lacan. Je n'ai rien lu. Je connais juste deux noms. Je ne sais pas. OK, ben là, on va aller lire ce qui, selon moi, est le texte le plus hermétique. Et incompréhensible de Jacques Lacan qui est l'étourdi avec un T. L'étourdi, évidemment, c'est un jeu de mots psychanalytique avec étourdi le, 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 et, et, et le dire. Donc, ça, là, honnêtement, Isara, c'est le texte le plus fucked up, le plus hermétique, le plus majestueux, le plus philosophiquement suicidaire et, et troublant. J'en ai fait des cauchemars. Je recommande à tout le monde d'aller faire ses dents, d'aller faire ses griffes sur ce texte-là de Lacan. Okay? C'est un texte impossible, de toutes les façons possibles imaginables. Donc, euh, on va aller voir ça. Euh, J'ai envie, envie de l'ouvrir, en fait, à n'importe quel moment. Au point que c'est un monde à soulever, que ce, que ce débat des fins des années, et là, et là je ne sais pas, c'est quoi les, les, les trucs de... Le point-virgule et tout. Non, certes, que la pensée du maître ne s'affronte pas Karen Orné, Hélène Deutsch, voire Ernest Jones, d'autres encore. J'ai pas l'impression que c'est le texte de Lacan, ça. Parce qu'il y, y a des figures, puis il parle de Thor, puis de toutes sortes de petites affaires. Attendez un petit peu. Bon, ça, celle-là, il marche pas. La, la langue. Avez-vous déjà entendu ça? La, la langue. Ça, il me semble, il, il fonctionnait, ce lien-là. L'étourdi. Et là, je pense que c'est bon. OK, regardez ça, là. Ça, ça fait partie du texte. Donc là, je pense que dans l'autre texte, les graphiques avaient été un petit peu comme édulcorés. Fait que je, veux, je veux juste en lire des bouts, là, juste pour que vous ayez une idée. Mmh. Mais d'antithèse, soit du même plan, en un second temps, elle en dénonce le semblant, deux points, à l'affirmer du fait que son sujet soit modal et à le prouver de ce qu'il se module grammaticalement, grammaticalement comme « qu'on dise », ce qu'elle rappelle non pas tant à la mémoire que, comme on dit, à l'existence. La première phrase n'est donc pas de ce plan thétique de vérité que le premier temps de la deuxième assure comme d'ordinaire au moyen de tautologie, entre parenthèses, ici deux, le réel comme impossible n'est pas du registre de ça. Je pense que c'est rajouté par le comme explication. Ce qui est rappelé, c'est que son énonciation est moment d'existence. Oh my God, ça n'a pas d'allure. Euh, là, pour une raison qui, euh, qui m'échappe, ma souris a bogué. Oui. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous voulez mon avis, c'est ça <laughs> Ouais, mais ouais, Qu'est-ce que vous pensez de ça Bon, ben, bon pour moi, c'est du charabia. Ou alors, si c'est pas du charabia, c'est la pure technique de la docte technique qui n'est accessible qu'aux spécialistes et qui n'a au, strictement aucun intérêt sur le plan littéraire. Alors, s'il fait passer ça pour de la littérature, eh bien, pour moi, c'est de l'imposture. Ah non, ça, ça clairement, c'est un, un de ses textes les plus inaccessibles. Là. Il n'y a rien à faire de ça, mais je m'étais amusé à le lire au complet à une époque. C'est quand même juste 30 pages. Il y, a, il y a moyen de passer au travers si on si ne on se laisse pas trop impressionner par les, les espèces de graphiques qu'on peut voir ici. Là, le S barré, puis ça, c'est... Ce que Lacan appelait les mathèmes, puis d'ailleurs, Socal les Brigmont dans, dans leur fameux livre, mmh. Les impostures intellectuelles, là, ils, se sont, ils se sont moqués de ça à fond. Fait que. Mais l'étourdi de Lacan, là, honnêtement, si à un moment donné, là, vous êtes sous, ou genre, vous, vous avez envie, genre, de, de, vous donner des, de vous donner volontairement des mots de tête, allez lire ça. Oui. C'est ce ben, que j'allais dire. Okay. Avez-vous eu du plaisir à, à lire ce texte? Vous me posez la question? Dans euh, sur le mais En fait, l'affaire, c'est que. Pour moi, l'étourdi n'est pas le texte qui est le, qui est le plus intéressant littérairement de Lacan. C'est juste le plus hermétique. Euh, mais il y a par exemple un intérêt littéraire à lire Lacan. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé par exemple euh, certains de ses textes quand, quand il parle de la, de la littérature. Et là, il écrit litter en anglais, litter la litière, là où les chats, là où les chats ou les animaux de compagnie défèquent. Donc, il parle de litter, litterature dans ce sens-là. Il parle par exemple du saint homme par rapport à James Joyce. Ça, c'est un texte que j'ai beaucoup aimé. Euh, Puis probablement que mon texte préféré, c'est Kant avec Sade de, de Lacan. Donc là, mon cher, euh, mon cher Zachary, on a un problème. C'est que euh, ma souris, pour une raison qui m'échappe, euh, a juste euh, ne, ne fonctionne plus. Donc là, <laughs> j'ai plus de contrôle sur l'ordi. Donc, je peux pas enlever. Euh, je peux pas enlever le lien de l'étourdie, mais ce qui est fou, c'est que ça continue à tourner pareil. Le, le, le podcast continue à fonctionner. Donc, on, on, on va continuer à parler encore un petit peu comme ça. Peut-être que ça va déboguer. Puis si ça ne débogue pas, ben malheureusement, on va être obligé de. Je ne sais même pas comment je vais faire pour l'arrêter en fait. Euh, en tout cas, je... continuons un peu à parler. Je vais peut-être penser à une solution. Euh, donc là, est-ce que le prochain texte de Isara est en période de composition, de rédaction ou dans le fond, ça viendra au jour le jour? Oui. Alors, parfois, il m'arrive le soir d'avoir euh, une petite idée, et puis euh, le matin, on réveille, je prends mon café, j'écris mon texte. Et après, j'allais faire mon vélo, je vais faire mon sport. OK. Puis, et... contrairement à chez Roland Barthes, OK, je ne sais pas si vous êtes un fan de Roland Barthes, moi, je suis quand même un, un, un fan euh, assez appuyé. Roland Barthes parlait des stades de réécriture, OK? Des séances de réécriture, et donc, euh, un texte peut être bonifié, mais il peut même évoluer plus on ajoute. De stade de réécriture. Et euh, moi, j'avais tendance, quand j'étais plus jeune, à, à tout écrire d'un seul jet et à m'en satisfaire et, et à l'accepter tel. Mais en vieillissant, j'ai comme, on va dire que j'ai introduit dans mes stratégies d'écriture, justement, les, les stades les stades partiens et je retravaille mes textes beaucoup. Et vous, dans le fond, est-ce que c'est des premiers jets? Est-ce que ça vous arrive de retravailler un texte? Alors. Euh, à partir du... Alors j'avais écrit des textes il y a une quinzaine d'années que petit à petit j'aurais écrit parce que j'estime qu'il y a des répétitions, des maladresses, des lourdeurs. Mais depuis euh, une dizaine d'années, même peu même plus, non, j'écris tout d'un premier jet et, parce que j'ai acquis une, quand même une maîtrise technique. Et donc, euh, de, non. Et même avant, je ne réécrivais pas la preuve. Jusqu'au texte environ a, vers le numéro 1000. Voilà. Bon. Il y a quelques répétitions en dessous des textes mille, mais sinon, non. De, de, et c'est ça, justement, de, de pouvoir, lorsqu'on est sûr de soi, lorsque la plume est sûre, vous savez, c'est comme la, le pinceau de la, du, de, du, du peintre. Il ne peut pas se permettre de, de... Voilà, je veux dire, le premier jet doit être le bon, quoi. Et non, parce que mon inspiration est... Elle est, su, elle est certaine, elle est totale, elle est, elle est pleine. Ma technique est sûre. Bon, quelques détails, bon, des coquilles, c'est tout, mais, mais pas des... Non, non, je n'aurais écrit jamais mes, mes textes. Parfait. Donc finalement, je viens de comprendre. Heureusement, c'est un problème, euh, c'est un problème technique, c'est que ma souris n'avait plus de batterie. Donc je l'ai plugué un petit peu, puis ça m'a permis d'enlever de, les cossins. Et qu'on va juste finir avec les commentaires, puis on va arrêter le show après. Je vais toujours de mettre ma, 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 ma batterie chargée. De toute façon, c'était dit euh, une heure pour ce podcast-là. Euh... Donc ici, Jesse Marasou qui disait du Nord est un faux aussi. Il n'apparaît pas dans ce, dans ce chat. Donc à plusieurs avatars. Non, non, c'est euh... l'oreille. Il y en a qu'un. Du Nord, c'est le, il a toujours les, les mêmes euh, les mêmes blagues euh, euh, qui ressortent, C'est toujours les, c'est obsessionnel. Mais oh, ouais. l'amusant, oui. du Nord. Vous savez, il faut savoir l'apprécier. C'est un, un c'est un comique hein, qui s'ignore. Moi, il me fait beaucoup rire, hein, Monsieur du Nord. Mais la face, c'est tout. Dans le fond, c'est l'approche d'un créateur souverain et authentique. J'ai un collaborateur que, dans le fond, ceux qui suivent le podcast euh, régulièrement le, 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 le connaissent. Évidemment, Yann Rojdi que j'appelle. Le Dark Paladin, lui, en fait, c'est une des personnes les plus détestées des interwebs québécois. Okay? C'est vraiment, littéralement, une des personnes les plus détestées, par exemple, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Et euh, moi, dans le fond, on collabore souvent euh, ensemble. Je l'apprécie quand même euh, beaucoup. Et, euh, et il est toujours attaqué sur les mêmes trucs qui tournent en rond et qui ne mènent nulle part. Et là, on en revient justement à cette fameuse formule-là de dire, si Hitler buvait de l'eau. Est-ce que ça veut dire que nous, on doit cesser de boire de l'eau? Parce que tout ce que Hitler fait est mal. Et là, dans le fond, c'est que le problème, c'est qu'il y a des gens comme ça, comme du Nord et comme les haters de Rojdi, qui tombent dans des tunnel vision où ils vont se dire, cette personne-là, Rojdi, Isara, elle est mauvaise. Elle est intrinsèquement mauvaise. Et à ce moment-là, dans le fond, je peux chercher à lui nuire comme si c'était une vidange, comme si c'était un, un, un non-être humain. Je n'ai même pas besoin de faire aucun effort pour le comprendre. Oui, mais le problème, c'est que du Nord ne cherche, pas à temps, hein, pas, il ne cherche pas à me nuire, il cherche à exister à travers moi. Je ne suis pas le seul hein, qui l'a clashé. Lui, du Nord, son problème, c'est pas de... Il a rien contre moi, je, ce qu'il veut, c'est euh, euh, être euh, de, euh, sur le devant de la scène. Comme il n'a rien d'autre que le clash pour exister, bon, c'est son moyen aussi à sa portée pour lui. C'est le seul moyen qu'il a trouvé à sa portée pour pouvoir exister sur le net. Mais je trouve ça très rigolo, moi, il ça m'offense nullement. D'ailleurs, déjà, il n'est pas absolument pas crédible. Déjà, son portrait parle pour lui-même. On voit bien que du Nord n'est pas versé dans la littérature. Hein. Et ce n'est pas une critique, hein. c'est juste voilà, il est comme ça, on est tous différents. Mmh. Et pour moi, vous, vous savez, c'est un peu comme le euh, Oui, le, comment la, la marionnette qui, qui amuse tout enfin, enfin, Le bouffon, quoi, pour le dire. Voilà, c'est un, un bouffon. Mais je, je n'ai aucune méchanceté envers monsieur du Nord. Hein. Absolument. C'est que, que... que ces gens-là ne, gens ne produisent rien. Ils bah, produisent ils rien, mais oui, c'est vrai, c'est dommage. J'ai d'ailleurs essayé de lui expliquer, monsieur du Nord, qu'il était sur Terre, c'était pour faire des choses positives, lumineuses, mm. mais je crois qu'il est hermétique à, à mon discours. Et c'est pas de sa faute en même temps. Ce qui est c'est mais... que marche, nous, en tant que créateurs, en tant que créateurs de contenu, en tant que poètes, tout ça, on se fait attaquer, on se fait dire que ce qu'on produit, notre contenu, c'est de la merde. Moi, je me suis fait dire récemment que je, je n'avais aucun contenu. C'est quand même bizarre pour un gars qui a produit au-dessus de 400, euh, 400, 500 podcasts, si on inclut mon, mon dernier show, et qui a écrit nombre de poèmes et de textes. Mais je n'ai aucun contenu, OK? En réalité, ce que la phrase « aucun contenu » va dire, c'est « je ne suis pas d'accord avec ton contenu ». Et là, moi, ce que j'aimerais dire à ces gens-là, c'est que c'est dommage, parce que moi, à l'inverse, je ne peux même pas te mépriser sur ton contenu, parce que tu n'en as pas. <laughs> c'est dommage d'être attaqué par des gens qui n'ont rien à faire. Ça, ça les rend dangereux. Ouais. Oui, 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 je comprends. Oui. Ouais. Non mais je ne joue pas sur ce. Vous savez, moi je n'ai pas ces mesquineries-là. Moi, je, je sais que je suis un, un puissant créateur et, et ça me suffit. Je veux dire, je n'ai pas besoin d'être adoubé par euh, un tel ou un tel. Je connais ma valeur et j'ai le sens de la littérature. Ça me suffit, quoi. Je ne cherche pas à, euh, comment euh... Voilà, vous savez qu'on qu est dans. Mais hey, une dernière question. Une dernière question, j'étais tombé sur un texte vraiment intéressant euh, il y a quelques années de ça, et ça expliquait, dans le fond, euh, les âges de la création ou les âges de la créativité. Chez les mathématiciens, les mathématiciens par exemple, je crois que c'est une, une répartie d'Albert Einstein, si un mathématicien euh, avant l'âge de 30 ans n'a pas, pas produit sa grande théorie, n'a pas accouché de son grand théorème, il ne le fera jamais. Et dans le fond, ce que ça signifie, puis c'est vrai également pour les autres domaines de compétences, pour les autres domaines de, 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 de l'esprit, c'est qu'en général, c'est dans la vingtaine parce qu'on veut, on veut plaire au sexe de préférence, on veut se réaliser, on veut briller dans la vingtaine dans la fleur de l'âge. C'est souvent là qu'on met les plus grands efforts pour exister. Écoute, euh, et, et au niveau littéraire, c'est qu'on se rend compte si on regarde les œuvres de différents auteurs qui ont été capables de faire le grand chelem de la vie, donc qui se sont rendus jusqu'à un âge avancé. Leur production à 20 ans versus leur production en milieu de vie versus leur production euh, d'aînés. Et ce qu'on remarque, c'est que les deux périodes les plus intéressantes sont toujours la période de la jeunesse, donc dans la vingtaine, période d'intense foisonnement de créativité, et la période de la vieillesse, la période de la maturité, où là, il y a une espèce de sagesse holistique, transcendantale, insoupçonnée, souvent un peu mystique, comme chez Swedenborg, qui euh, s'introduit. Dans euh, la création de la personne. Et bon, et évidemment, euh, la, la phase la plus plate, souvent où, où les, les, les premiers échecs apparaissent ou un petit peu la, la, la traversée du désert, euh, comment dire, euh, a lieu, c'est dans, 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 en milieu de vie. Soit la milieu de vie, la personne et la période de création la moins intense. Et donc là, vous, Raphaël, Zachary, Desara et je crois bien 57 ans que vous m'avez dit euh, votre âge la dernière fois, est-ce que vous sentez que dans votre, euh, dans votre production livrée, dans votre production littéraire, il commence à s'opérer une transformation, la transformation de ce que les Africains appellent les elders. Donc, vous êtes-vous en, de êtes en train de devenir un vieux sage? Est-ce que votre prose gagne en sagesse? Est-ce que, dans le fond, l'impétuosité de la jeunesse laisse peut-être un petit peu place à quelque chose d'autre? Alors, je dirais que elle gagne en sagesse et ma plume gagne également en légèreté. Je veux dire, par là, à 20 ans, j'écrivais très mal. Euh, j'écrivais très mal c'était euh, inspiré euh, pff, disons c'était la je ne vais pas dire la jeunesse et l'inspiration non c'était des embryons c'était embryonnaire bon là j'ai gagné d'abord en technique en, en facilité d'écriture et en, en profondeur d'inspiration oui avec la maturité aidant bien sûr mais ça ce n'est pas spécifique à la plume je crois que les peintres ça doit être pareil hein, les musiciens me semble-t-il hein. Oui, oui, bien sûr, j'entre je, je, dans ma période, dans mon âge d'or, disons, disons l'âge d'or de ma plume. Et moi, réalisez-vous que j'entre dans la période de nullité de ma plume? Ah, j'en je, sais rien, je ne vous ai pas lu, hein, quasiment pas. Je... Non, mais en, en, en référence aux âges, comme je disais, les, les âges de la création, moi, j'arrive, je, 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 j'accoste en milieu de vie, là. Donc là, je vais devenir plate. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez encore, vous avez encore le, le trésor de la vieillesse à exploiter. Alors, euh, ouais, j'en je, sais rien, je ne peux pas répondre à cette question en ce qui concerne d'autres. Mais non, moi, mais oui, je je le, sens le, le, le travail de la maturation, je le sens. Parce que, premièrement, comme, comme disait Corneille, il n'y a pas d'âge pour faire, euh, comment dire, pour euh, euh, exercer ça. Son existence avec brio, excusez-le, je cite très très mal Corneille, la, la valeur du bras n'attend pas le nombre des années, un truc comme ça. Euh, et que finalement, on, on, est, on est toujours capable d'apprendre et de se bonifier euh, par rapport à ce, ce qu'on vit, par rapport à nos nouvelles expériences. Et moi, honnêtement, je me considère une bien meilleure personne que je l'étais euh, à 20 ans. Comme, comme, comme Isara, je pas de, il n'y a pas de pessimiste en moi, même si je suis un grand fan de Schopenhauer, je suis un fan plutôt de, de, sa, de sa philosophie, de sa métaphysique et non pas de sa morale et de son pessimisme. Mais il euh, n'y a pas de pessimisme en moi, je suis un optimiste euh, carabiné, je ne, vois, euh, je ne vois que du positif, c'est pour ça que je continue euh, à m'entraîner, à prendre soin de moi, à lire, à découvrir, euh, à faire ce podcast-là. Et surtout, à, à avoir l'audace d'être moi-même, Kant, dans son fameux manifeste « Qu'est-ce que les lumières ?» disait euh, « saper aude » en latin, c'est-à-dire « ose savoir ». Et moi, je rajoute « ose », ose être sincère, ose être toi-même. Oui, ben, c'est bien ce qu'on me reproche d'ailleurs d'oser être moi-même et d'être sincère et de ne, de ne pas euh, euh, édulcorer mon verbe et de ne pas euh, me compromettre avec euh, toutes les faiblesses et, et les mensonges de ce siècle. Non, mais... ce qui fait que je suis tant aimé et tant détesté. Oui parce que je pense que ça a deux impacts négatifs chez nos haters, c'est que premièrement ça les terrifie, ça les terrifie cette possibilité là, cette possibilité là qu'un individu puisse être lui-même, parce que ça lui donne un grand pouvoir, ça lui donne une grande liberté. Euh, et deuxièmement, c'est que eux, dialectiquement, ça leur révèle leur propre, entre guillemets, soumission. Au sens où eux, ils ont accepté la norme, non pas nécessairement par choix, mais par pusillanimité, par, par peur, par paresse. Euh, et le, le, le fait que nous, nous existions comme des élus, au sens de Néo dans la Matrice, que nous, nous existions dans la souveraineté de notre sincérité, ça les emmerde parce que ça leur rappelle leur choix, le choix inhumain qu'ils ont fait de s'aliéner à eux-mêmes pour plaire, finalement, euh, pour plaire à des, euh, à des individus qu'ils ne connaissent même pas. Oui, mais mon but, moi, ce n'est pas de déplaire, hein, c'est de montrer le chemin. C'est justement de dire à tous ces gens eh bien, imitez-moi, euh, soyez libres. Euh, ayez le courage d'être ce que vous êtes. Mon message, ce n'est pas d'écraser euh, ces gens-là. Non, non, c'est de les élever. Moi, je cherche à, à humaniser le monde. Hein. Je ne cherche pas du tout à, à me moquer d'eux, à me réjouir de leur soumission. Pas du tout. Non, non. Ce que je veux, c'est. Je dis euh, qu'ils m'aiment me suivent. Oui, puis de toute façon, c'est la seule façon de l'idée de, de qui vaille. Donc, c'est de l'idée, comme on dit, par l'exemple. Hein, de guider par l'exemple. C'est ça. Euh, oui. Écoute, on va terminer. On va terminer sur un dernier petit, euh, petit truc que je suis sûr que tu n'as pas vu parce que, euh, comme tu dis si bien, tu ne consommes pas d'autres livres et euh, probablement encore moins de cinéma. Euh, mais tu es peut-être au courant qu'on a justement un réalisateur québécois qui fait fureur à Hollywood depuis au moins une décade, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve qui a réalisé la seconde partie de, du film Dune, qui est inspiré de, ah, de, de l'univers euh, du sci-fi de Frank Herbert. Oui. Et dans, dans ce film-là, qui est un film à la plastique, à la facture excellente, il y a une scène qui, moi, m'a hanté énormément euh, vers la fin du film. C'est quand le personnage de Paul Atreides, Paul Atreides finalement devient Dib et qu'il dit qu'il va guider son peuple jusqu'à la, jusqu la victoire. Et euh, j'ai retrouvé cette scène-là qui, qui a été recomposée par, euh, par Intelligence Artificielle sur TikTok. Donc j'ai envie de la faire jouer. Parce que je trouve ça très beau, puis je suis sûr que, je suis sûr que tu vas euh, aimer ça. Donc, ça ne sera pas long. Il faut juste que j'aille sur mon Twitter. Oops. Parce que je l'ai posté là. Donc, donc, donc. Euh, ça, c'est ici. Oups. Après, ça ne joue pas, là. Hey, tabarnak! This is my father's Moi, j'ai envie de dire: soyez, soyez Paul Mohadib Atreides. Guidez, guidez vos contemporains vers le paradis. I will lead you to paradise. I am, listen, Al-Gahib. Hey, man, je trouve cette scène-là exceptionnelle. <laughs> Mais, euh, j'aime la passion. J'aime le caractère épique. On sait que Mohaddé va devenir l'empereur de l'univers après ça. Et euh, honnêtement, on a tous ce pouvoir-là en nous. Hein. On, a, on a tous ce pouvoir-là de faire le choix d'entrer dans la Twilight Zone de la sincérité où là, finalement, on, 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 on révèle tout notre potentiel. Oui, moi, je, je propose d'emmener tous mes lecteurs de, bah, dans les sommets Isariens, en fait. Hein. Suivez-moi dans mes sommets. Voilà, je, ne vous, je ne vous promettrai que du beau, que du bien, que de la vérité, que de la lumière. Et laissez derrière vous toutes les pesanteurs terrestres, toutes les lourdeurs euh, euh, du quotidien et, et euh, toutes les lourdeurs, lourdeurs de vos médiocrités. Et, ouais, faites le choix des hauteurs, même si c'est difficile. Extraordinaire. Donc, on se met là-dessus pour aujourd'hui. Euh, on se tient au courant un prochain podcast, peut-être avec mon ami Christian. À, avec Adam. grand plaisir. Donc, ça, ça serait intéressant. On pourrait se faire ça, euh, on pourrait se faire ça bientôt. Et euh, donc, merci d'avoir été là. Euh, bonne nuit, euh, bonne nuit de ton côté. Tu avances l'heure cette nuit, donc euh, tu, perds une, tu perds une heure de sommeil et une heure de, une heure de temporalité d'écriture. Ça, c'est euh, impardonnable de la part de nos maîtres qui nous euh, s'amusent à nous faire avancer et reculer l'heure deux fois l'an. Donc euh, bon courage avec Mais, ça. Les rêves isériens sont éternels de toute façon. Je m'occupe pas de, de l'heure d'été ou d'hiver. Hein. <laughs> Parfait. OK, bye. Voilà, merci beaucoup. À plus. À, au revoir. Ouais.